Mesdames et Messieurs, très chers téléspectateurs, Bande Konabiso, ben Biso et à Congo Live Télévision, comme à, la décoration implantée derrière moi et le binango déjà Congo Live vis nous vous disons bienvenue à suivre ces nouveaux numéros de ces premiers Février 2024, Mboula et Bandaki déjà, sans ayali Boso Et les Kinango, sans ami balé Les autres Bandi, les dames et messieurs, de partout vous nous suivez, nous vous disons merci. Et nous sommes tellement honorés de votre présence tous. En train de suivre Congo Live Télévision, la situation. À l'Est de la République, Boni et Wapi Biloko Komeli, Wapi Munguna Komeli, Wapi FRDC Komi. Boni Makambwezo le Kalobi Masolo et kindengenini. quelle est l'actuelle situation qui est en train de se dérouler à l'est de la République, dans la ville de Goma, dans les territoires de Massissi, dans, euh, dans les territoires alors de Routuru, mais également dans les territoires de Niragongo Ni Nouvelle, Ni Sango, Oyo Zakuna. Les dames et messieurs, encore une fois de plus, bienvenue Kolanda à Congo Live Télévision, Oyo Ezo kabelayo, Oyo Ezo Pesayo, Pesa, basango. Naba information Oyo à l'Est de la république Je suis Yusufu Kibingila David. Ya Congo Live TV. Oyo Eza déjà Simananga Ozomo na Oyebi déjà ki oza derrière. To Ozo Landa, Congo Live télévision Na journaliste à l'Est. Oya Kabela Kabino ba sango. Oya Kabela Kabino ba masolo. Oya Kabela Kabino ba information. oya ya moto moto. concernant les efrdc concernan le gouvernement concernant bitumba oyo ya este nini ezoleka leja sotdapplé situation eza ndenge nini david situation ekomeli wapi kuna lelo tozopesa bino information ya lobi ezalaki boni lelo tozokabela bino masolo ya lobi ezalaki ndenge nini yaava lobi ezalaki ndenge nini lejakitent ntr eitnt basimba eo bato babandaki kotante kokota na goma ndenge ezalaki visio na bango lelo isou m23 eza wapi frdc eza wapi qel est la position actuelle de wazalendo tokobeta masolo awa tokodevelope masolo awa lelo toza na basuje ebele okel tokotourne autour lelo toza na basuje ebele okel tokobetela masolo motivation eza mingi courage eza mingi ya koservir La nation congolaise batou ou la diaspora, topes pesa Parce que je vous ai toujours dit, moka Oyo ya Congo, bana nango Oyo ya Congo, ezana Il y a des gens qui se donnent à fond pour ce pays à cause de la zana diaspora, mais ils pour que eloko y bien en Boka. Il y a des gens qui soutiennent le Président de la République, il y a des gens qui soutiennent le gouvernement congolais, il y a des gens qui soutiennent le EFARDC, il y a des gens qui soutiennent les Wazalendo, il y a des gens qui soutiennent la population congolaise. Voyez-vous Donc, ce n'est pas une blague. Si vous voulez me nouveau commandant, il e y e a 34e région militaire. Je vous rappelle, je suis bien qu'il y a des gens chargés qui ont l'opération de guerre à l'est de la République, c'est-à-dire la province de nord Kivu. na provence ya nord kivou akomaki na ye lobi na ville ya goma swite eza nini keck ila di kelete somo kelela motivation kiluiamotive designation oyo responsabilité oyo bapesaki ye ye nakokoma na ye na goma alobaki nini tozalaki na ye nakopesa bino masolo bono ezalaki de nouveau agresseur sur les sol congolais bazokota eza banani etcke boyebi yango

boni bazo déloge bango combien de gens on perdi la vie dans les bombardement ya lobi kuna na ya lobi combien de gens na coté ya m23 on perdi la vie avant hier et lier a découvrir ici et maintenant bino nyonso bozolanda congolaftv on sai pas de queler place bozali mais en direct de la ville de goma làou nous émetons tobeta bino masolo lesdames et messieur très cher eetéléspectateur euh, na biso ya motema tobanda information oyo ya mokonzi oyo ayei kodiriger bitumba depuis un certain temps les gens se disen pourquoieceque sadek nano ebandi te çacetu moutuna que les gens sont entrain de seposer pouquoi eeque sadek ebandi te mais bazo mettre en place ilsont entrain de finir tous les détails comm ça losq'il vtlncer Cette mission offensive est qu'on s'est laissé en de Alors, c'est hier-là, le commandant Oyaza chargé Nabitumba, c'est-à-dire la personne qui a été désignée, la personne qui a été responsabilisée pour venir conduire ces opérations est arrivée dans la ville touristique de Goma hier, 31 janvier 2024. Je rappelle ici bien, c'était le général Bruno Penzo. été interpellé à kinshasa avant que selui uiet arrivé yer donc aremplace naye brin penzo qi aété interpellé à kinshasa pour des raisons x oyo toyebi nano te nakoconfirme binowa te kendo nga nayebi baraison eneai pas es raison ma lété interpellé a kinshasa par hiérarchie na ye e puis ona bien decidé kotinda mosusu oyo akomaki goma lobi guerre dalest du pays le général major shra bdi nouveau commandant de la 34e région militaire est arrivé à Goma euh, comme mission principale. Est arrivé à Goma ce mercredi 31 janvier 2024. Mission principale est à nini. Euh, mission principale les conduire les opérations militaires contre les M23. Ou les a mission principale. Lorsqu'il est arrivé sur le sol de la ville de Goma, la première chose qu'il nous a fait savoir est que aye pour a conduire ba mission opérationnelle ba mission de guerre dans le nord kivo c'est àdire ce n'est pas seulement finir avec le m23 uh -uh. c'est pas seulement finir avec le nouveau agresseur oyo bazo cota oyo toco découvrir cuna libosoa uh -uh. mais aco finir aussi avec les adeuve D'ailleurs, je rappelle ici bien à toutes les personnes qui ne sont pas vraiment informées que Adef est silly. Adef est aussi là. Parce que si vous vous rappelez bien, Adef Oyakala, Adef Otobandeko Yokana Beni, c'est pas Adef Oyazati Lelo. Lelo, Bandeko Yokana Mokokuna, Mokomi Balekuna, on a attrapé 18, on a attrapé 20, on vient de tuer 15, vous voyez. Donc, pour à bango, perte à vitesse, Bakomi Nango déjà. Pourquoi ne pas dire alors merci à, à, au gouvernement congolais qui s'appuie à, 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 à son armée pour voir comment est-ce que va Donc, a la mission, il y a aussi Troupe wana. Wana mission principale, il y a général major. Les gens qui n'interprètent pas des choses comme ils ont commencé à interpréter, non. Ce n'est pas ce qui lui est amené. Lui nous a parlé, lui-même nous a parlé. De sa bouche, il a dit... Je viens dans la mission où il y a, a un conduire opération de guerre dans le Nord-Kivu. C'est ce qui m'amène. Il faut savoir que l'ennemi a une arme numérique. L'ennemi va, va saluer plutôt la réputation de la à Congo. Tous ces gens que vous attendez. qui n'ont... Abando collaboré, Nabanguna, boe, il y a des gens qui c'est faux. Je ne dis pas le nom de quelqu'un ici, mais je dis, il y a des gens, Oisa Lukuta. Le M23 va tout faire pour salir la réputation de nos officiers. Il y a de nos officiers, Obazo Koufa Bitumba. Alors dis-moi, la personne qui accepte de venir et mourir à la guerre, comment est-ce qu'il peut encore collaborer avec l'ennemi Mais c'est l'ennemi qui intoxique ces gens. Ils ont des gens qui sont payés. Partout, ils ont déjà qui sont payés sur Internet, sur Twitter, déjà influenceurs. Ils ont des personnes auxquelles ceux qui ont posté Eloko, Eloko Alors, ils donnent l'argent, ils passent toujours par ces gens. Nous savons déjà les gens de l'ennemi. déjà. Ils donnent l'argent et ils passent au travers de ces gens. Sakambongo et puis qui au travers de ces gens. Et puis lorsque tu vois, c'est une publication faite par tel, tu as tendance à croire. Mais ça, il est corrompu. Il ne viendra pas vous dire qu'il est corrompu. Il ne, il, il ne le dira pas. Mais il est corrompu. Méfiez-vous de, 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 de ces publications au boumonak. Méfiez-vous de ça. Méfiez-vous de ça. Méfiez-vous de ça. Méfiez-vous de ça. opour conduirelespéraionseneles conduire enfants de l'est ont vraiment besoin de voir cette guerre prenfe les enfants de l'est ont besoin les gens qui vivent dans des campde de placé ils ont besoin de regagner roucro ils ont besoin de regagner kiana ils ont besoin de regagner massi ils ont besoin de regagner euh, euh, anabyongae tout le reste ba entité wana mvntrsplac C'est ça leur souhait. Alors, si les autorités n'ont pas mis pes, n'y a pas de pesa, que si les ça c'est mieux. Et que les gens batika des choses qui n'ont pas de sens, des choses qui n'ont pas de valeur. Ça, c'est une arme numérique. Le nouveau commandant appelle au soutien de la population pour la réussite de sa mission. Je vous ai dit au départ que non, il y a un message qui lui a lancé. Il y a un message qui lui a lancé. C'est un humain. Il faut toujours une collaboration avec qui Avec la population. Parce que, si vous savez bien, M23 y a un peu placé Zali et l'Ingi a utilisé la population. Et recruter ans. Et jouer à battre par force. baviolence oyo integre le je par force dan le rebellion yango ezosala epis elingi etia vraiment makasi na eloko wana po bato babanga bakota baloba na bango eloko te meis oyo ezosalema eke ekosimba te eloko wana eventr ezosala ekosimba te boingata mabele yagoma jamais le général aple le gen Il a dit je je voudrais vraiment bien collaborer avec la population je veux que la population Sungabiso Sunganga et Sungaie fasse descendre Mobima place n'yonso Bamoni suspecte ba dénoncer à Bengi n'aeké nous place n'yonso Bamoni suspecte bas dénoncer oh exemple message oh il faut biso n'yonso tout Sungana aux anes diaspora vous avez un frère qui est à de l'autre côté il est bisayer Benda vous voyez des suspects aller dénoncer 34e région Eza Moussikate et en ville de Goma ici. va recevoir tout le monde. Ils reçoivent tout le monde. Yaka dit, j'ai vu ceci, j'ai observé ceci. Et puis les autorités vont s'impliquer dans ça. Wana et Kosungabiso pour le rétablissement de la paix. Si nous voulons la paix, nous devons tous nous impliquer dans cette affaire. Ce n'est pas seulement l'armée congolaise, c'est une responsabilité aussi qui revient sur les peuples congolais, qui revient aussi sur la population congolaise, qui revient aussi sur les habitants de la ville de Goma, qui revient aussi sur les habitants d'autres entités, qui, au moins à cas, ceux qui aiment 23 n'y a la va alerter directement. Et, et c'est ça qui permet au FRDC de bombarder, de détecter les Munguna et tout le reste. Donc c'est un peu ça, une collaboration avec le civil va permettre l'armée congolaise et les Wazalendo de bien détecter Wapi Mungu Zali comme ça C'est ça donc. Voyez un peu message à général. Voyez un peu message à y a, qui est venu le nouveau commandant qui est venu pour conduire les opérations à l'est de la République. Voilà donc les informations à ce qui concerne général. Nebisa masolo likolo nouveaux Ezanani Nouveau agresseur, Ezanan. Est-ce que c'est seulement le Rwanda Est-ce que c'est seulement le M23 Babandi Kobima moko na Bango pour qu'il soit vraiment visible. Ezan vraiment tel, né à Salaké Lokwana. Depuis quelques deux jours, cela nous a été signalé depuis les territoires de Ruchuru. Depuis les territoires de Ruchuru. Il biso signaler que les troupes sont en Ougandaise. sont basées sur le sol congolais. Il va soutenir M23. Ça, c'est depuis Routchou. C'est pourquoi je vous ai dit une collaboration étroite, une collaboration directe de l'armée avec le civil va permettre qu'on détecte tous les récaristrats. Ça va permettre qu'on détecte toute personne mauvaise sur le sol congolais. Ça va permettre de détecter la rébellion et à quel niveau. C'est ça qui va permettre. C'est ça qui permettra que lorsque l'armée congolaise se mette, euh, au se mette au travail, il faut toujours savoir que à tel point la population nous a signalé qu'il vient. Bah, 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 place fulani. Et là, l'armée sera. Euh, Uh, apte, l'armée sera capable à suivre ces gens avec précision. Parce que ceux qui bango, qu babandi, commis bon, civil, c'est-à-dire, si les civils aussi n'interviennent pas, si les civils aussi ne réagissent pas, si aussi les civils ne donnent pas la vraie version sur ce qui est en train de se passer au terrain, ils seront confondis. Mais heureusement, heureusement, les civils sont en train de les dénoncer. Voilà donc, de nouveau.

Quelle confiance le Congo n'a pas attribuée à ses voisins? Je ne, je ne, jamais Koloba ya Qu'est-ce que le Congo n'a pas fait à tous ses voisins? Il umondo na mukili ceux qui ont bundi ça allez-y à Kinshasa, va faire des collaborations avec Kinshasa, va voir le président de la République. C'est son rôle, il est là pour écouter tout le monde. Vous voulez des collaborations? Vous voulez, vous, vous, vous voulez que le Congo et vous, ça passe Tikabitumba, bon Tikabitumba. Allez-y à Kinshasa. Allez négocier. Boningi minerai à Congo, allez négocier à Kinshasa. Mais bitoumba te. Parce que si c'est la guerre, la guerre à la guerre, monter à puissance de FRDC, bon long Bon Avec tout ce que nous sommes en train d'observer, je ne suis pas un porte-parole à FRDCA. Ah. Non plus, nous sommes là la bango qui dialète le thé. nalobika vérité monte ya pwissance ya frdc na barecriteme ya bana wana ba14 a bazosala bakolonga te lne faut pas snsortir de troupe ougandaise wana babandi omema bango sircongo don ekomi ke barwanda basili ekomi keno barwande bazolela babandi osenga ranfort na ouganda ekosimba te ekosimba te ekosimba te Ça ne va pas tenir. Le peuple congolais, Les peuples congolais est éveillé. Le peuple congolais n'est pas naïf. Baza naïveté. Basiba Fungola Miso. Basiba la Borolonga Bangote. Quatre camions remplis de militaires de l'armée rwandaise et de munitions ont traversé la frontière de la République démocratique du Congo depuis le 29 janvier 2024 en territoire de Nyiragongo au Nord-Kivu. L'alerte est venue de la société civile de la, de la de la place de la société civile locale de la place on peut le dur. Son président que je ne citerai pas ici son nom, renseigne que ce convoi d'IM23 a été aperçu à Kabuhanga à la frontière entre la RDC et le Rwanda. camion il camion. C'est-à-dire Isage oh il y a frontière. Vous savez combien, je, je, je vais rappeler ici, entre le Rwanda et la RDC, ici, au Nord Kivu, il vous, y, a pas de, euh, y, a, y a pas de limites naturelles. C'est-à-dire, Nzambé a Kiela, Ebalé, Nzambé a Lac, Nzambé a Atiya Frontière, et Zanangou Kamabele. C'est-à-dire, tu peux traverser au Rwanda, ne sachant pas si tu es encore au Rwanda, traverser au Congo, ne sachant pas si tu es encore au Congo. Mais il y a quand même il y a des limites auxquelles les deux nations sont appelées à respecter.

Le pensez-vous vraiment? la réalité à makam. que so, vous, les ba congolais bango pe bandaki makambo oyo ya bino. Vous serez capable, vous serez capable à vous en sortir à ça. Si les Congolais aussi commençaient seulement à vous agresser comme ça. Je vous dis vrai, vous n'allez pas vous n'allez pas vous en sortir parce que même la population de la ville de Goma est capable à semer un trouble de des de, de désordres na Katia Rwanda. mêe la communauté internationale la fameuse communauté internationale ne sere pas capable àgérer cette population tomonaka bamanifestation ya balucha tomonaka bamanifestation ya bamouvement sitoyen nagomawa ebendi mokili mobimba elobi ebendi makambo sosi sept même population la ce décidé même loin de gouvernement parce que le gouvernement congolais kokotana buzoba te yakofinancer les rebelles Les, jamais le gouvernement congolais na Macambuana. soutenir les rebelles. Et jamais d'abord. Et soutenir bateaux les qui Les Congolais sont satisfaits na ont. bazanango. Ils sont satisfaits de ce qu'ils ont. Les congolais sont qui azangi azangi sont qui azui azui. Mais helloko na salate Alors si même bien la population de la ville de Goma s'est décidée, la population de la ville de Goma se décide, qu'au la Rwanda vous avez tout intérêt à vous retirer sur le sols congolais. Vous avez intérêt à vous retirer avec vos troupes. Retirez-vous. Il a réitéré sur ses propos Félix Antoine Tshisekedi dit qu'il ne collaborera jamais, il ne dialoguera jamais. Avec le Rwanda au travers M23. Jamais, déjà. Jam Il a encore répété ça devant ce, ce corps diplomatique. Vous voulez qu'il parle de quelle langue Allo, Batilou, Bande Boyoka. Ah, ça, 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 ça. Ça s'annonce mal déjà parce que d'ici là, ça dékezo banda. Pour finir, les dames et messieurs, tout en a le y a eu l'ISO MPCC. Euh, L'ISO MPCC. Pour finir. Euh, ce mercredi, mercredi euh, 31 janvier 2024, quelques bruits de bombes ont été entendus dans, la, dans les collines environnant la cité de Sake où les FRDC bombardait quelques objectifs militaires M23, entre autres les dépôts d'armes et quelques positions dans la localité de Karuba et Mouchaki. Et ses environs, d'après nos sources, dans la zone. Dans la localité de Karuba, les rebelles du M23 ont avancé vers Murambi pour occuper la route des populations route de, population de Rubaya qui contourne les zones sous contrôle des rebelles en passant par Ngungu pour, éteindre, pour atteindre Chacha et Minova. Donc, la chose, mais aussi Mbate. Aussi, nos sources reportent que les rebelles. En avançant, de cette direction, il aurait l'intention de relier avec le plateau de Kalungu euh, dans le territoire de Calais en province du Sid pour faire jonction avec les, Gou, les Goumino Androides et Tuiraneo qui d'après euh, les préliminaires enquête qui d'après les préliminaires enquête s'il vous plaît serait favorable à cette rébellion du M23 c'est-à-dire ils ont changé les boules ils veulent occuper mena les sites Kivu et voir comment est-ce qu'ils peuvent se débrouiller pour prendre la ville de Goma parce que Goma est comme KANGÉ et Kangami déjà mais boula bango es bien voilà donc, les dames et messieurs, les informations qui firent notre procession jusqu'à présent, c'est début décembre février 2024, c'est-à-dire la suite habiteu pesa sabino toko communiqué bino toko pesa sabino masolo boni et zo continue. Les dames et messieurs, merci de nous avoir choisis. Merci de nous avoir suivis. Je suis Youssoufou Kibingila. David, je rappelle bien, je suis journaliste et ya Congo Live TV basé à l'Est de la République pour la suite. Oya Sabino Basango, Oya eloko Nyoso, Oya pesama et Leka, Nakati, ya Este Amboka. Je suis joignable et disponible sur les plus de 143, Amboka, 09, plus de 143. Alors, je répète, 9 993. 46 71 93, je peux encore répéter, 9 93 46 71 93. À toutes et à tous, je vous souhaite une excellente journée et à la prochaine pour un nouveau numéro sur Congo Live TV. Merci, les dames et messieurs.